Et justement, sera-t-elle la vraie surprise de ces prochaines municipales? L'écologie est dans toutes les têtes et dans tous les programmes, quelle que soit l'étiquette politique affichée. Cependant, les candidats Europe Écologie Les Verts entendent bien en être les réels bénéficiaires. Coup de projecteur ce soir sur ce greenwashing des programmes de la campagne des uns et des autres. Illustration à Évreux, Valérie Astruc, Arnaud Boutet, David Sigal. L'urgence pour nous, c'est par exemple le bio dans les cantines accessible à tous. Les habitants approuvent, même s'ils ne sont pas vraiment dupes. C'est pour tout le monde, l'écologie. C'est pas forcément la droite, la gauche ou le centre. L'écologie, ça devrait intéresser tout le monde. Un verdissement généralisé qui s'explique par les sondages. 85% des Français veulent qu'au municipal, l'environnement ait une place importante. Dans les grandes villes aussi, le concours Lépine de l'écologie est ouvert. Un Central Park à Paris et à Strasbourg, destruction de bâtiments publics à Nice pour créer une forêt urbaine, les maires sortants rivalisent de projets toujours plus verts. D'ici 2024, 100% des rues de la capitale seront cyclables.